On va à Lollapalooza et je suis totalement en retard. J'ai mes potes qui arrivent, je sais pas comment je m'habille, je sais pas comment je me maquille, j'ai rien préparé. Ah, vous êtes prêts? Attention, ça risque d'être violent. Je suis vraiment une arnaque par contre. Vous voulez pas vous présenter maintenant du coup? Caroline et Amélie. Les vrais connaissent Caroline. On a déjà fait une vidéo ensemble il y a au moins 6 ans. Moi je m'appelle Caroline. Je connais Marine depuis la 5e. Moi c'est Amélie. Je connais Marine depuis 13 ans. 13 ans je pense. Non. 4e, mais si. On est vieille maintenant. Est-ce que je peux faire un petit diaporama de photos de nous? Il y aura des gros dossiers. Ouais. Parce que... Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Anecdote un petit peu drôle sur vous. Un fun fact. J'ai la phobie des clémentines. Voilà. C'est une vraie phobie. Je suis fan de N'oubliez pas les paroles. Je m'entraîne depuis 10 ans, mais je n'ai toujours pas passé le pas. On espère. Non. Bon, maintenant qu'elle est pas là, on peut dire tout ce qu'on pense. Non. Elle nous a briefé avant. Alors faites ci, faites ça. Moi je dois tenir la caméra, je suis trépied. Enfin bon, c'est compliqué là, franchement. C'est un délire. Qu'est-ce que vous pouvez dire que vos anecdotes sont marines? Elle a déjà tout raconté en vidéo. Coloré cette année, hein. Le rose, tout le monde aime. Le vert aussi. De... Vert, rose, orange, tout ça, c'est. Il y a de la couleur. Je suis déjà fatiguée qu'on n'a pas commencé. J'ai faim. Viens, on fait un jeu. Je murmure des musiques. Tu dois deviner ce que c'est. T'as pas hâte de regarder. Bon, attends, je me concentre. Juliette Armanet. Oui, c'est ça. Dernier jour du disco. J'en ai une. Ah, la terre est ronde de Orelsan. Ouais. Pour une seule bonne raison. Tada. Merci. On a deux bracelets. On a VIP normal et truc longchamp là. Let's go. Petit outfit of the day. Petite robe oeil chaud. Sympa le dos. Doc Martens. Et banane que j'ai depuis 1000 ans. Louis Vuitton. Lunettes. Le petit lunetier. Barrette Monoprix. Barrette volée à Chloé. À vous. Le haut. Je sais pas d'où il vient. Le short, un Zara. Je l'ai eu sur une tête. Et je trouve c'est des mangos. Et ta banane. Je cherche et c'est quand même quelque chose de très collector. Soyez honnête. Hein. Je veux de l'honnêteté. Est-ce que ça le fait? Ah, c'est normal, c'est festival. Non, c'est festival. Donc voilà, Caro, à toi. C'est un short Zara, petit haut de maillot, princesse Tam Tam, chemise en lin Zara, chaussures comme des garçons verts, et boucles d'oreilles mango, mais à l'ancienne. C'est parti! Imagine Dragon, sauf que elles sont bloquées. En fait, on savait pas, il fallait ça. Alors, on va essayer d'aller trouver des passes là parce que je peux pas y aller, les laisser là quoi. J'ai Juju, ouais. Et Léa, comme d'hab, la team. Il manque Darko, mais on sait pas où il est. Il va être sur la scène là dans 5 minutes. Ouais, petite exclue, Darko, très envie d'être DJ. Mais sache que je le. Ah non, j'ai pas le droit de le dire. Ah, je donne des cours en ce moment. C'est une exclue? C'est une exclue pour mon vlog. Mais le dites pas, le dites à personne. Je vous explique là ce qu'on va faire. On va essayer d'aller dans ce qu'on appelle le crash. Donc, le crash en fait, c'est l'espace entre la scène et le public. Je sais pas si on va pouvoir rentrer.
En fun fact sur Amélie, on aurait dû vous dire, elle se croit toujours dans des films où dès qu'il y a un petit moment d'émotion, là on est clairement dans une scène de film, le gars va chouiner. Pour Live Nation, qui est une super boîte qui fait des concerts et tout ça. Ce n'est pas un placement de produit non plus. Ah merde, c'est pas un placement. Okay. Du coup, je travaille pour Live Nation et je suis créa et je m'occupe aussi de l'influence. Du coup, c'est comme ça que je connais cette belle personne. Je pense que ça va être incroyable. Là, on est derrière la scène et dans les backstage. Je trouve qu'on a trop de chance, quoi. Tout le monde ne peut pas être là, quoi. Je trouve ça ouf. Là, on suit Marc pour aller, je sais pas, dans une voiture, je sais pas quoi, pour essayer de re-aller dans le crash de David Guetta. Je suis essoufflée, j'ai 75 ans, malgré tout. Donc là on est sur l'autre scène, on était là-bas tout à l'heure, là il y a Imagine Dragons et on arrive pour David Guetta. On t'attendait, il manquait plus que toi. On va mixer avec David Guetta. Juju il a annoncé que tu voulais devenir DJ. Darko très envie d'être DJ. Ah ça y est. C'est une exclu de mon blog. Ah merde, bah dis à personne ce bah dis à personne. Ça y est, je vais encore me faire niquer par quotidien. To the new age. On te dit ah, en fait tu veux monter sur la scène. Genre si tu veux je te passe un badge et tu montes sur la scène. Mais moi je... c'est abusé. C'est fou tout ce qu'on est en train de vivre là. On reste là. Il est 5h du matin, on est rentré avec les filles, on a pris McDo, on a mangé McDo. J'essaie de process tout ce qu'on a vécu. Je sais pas si les images que vous venez de voir, genre ça vous procure un truc, en fait j'arrive pas à savoir. Parce que tu sais, c'est des fois c'est des moments que toi que tu vis intensément et au final tu sais des fois tu vis des trucs intensément dans ta vie et quand tu le racontes à quelqu'un d'autre, cette personne elle l'a pas vécu donc en vrai elle s'en bat les couilles et j'ai peur que ce soit ça alors que c'était incroyable. Mais bref, je fais aussi des vidéos pour moi et je serais tellement contente de revoir tout ça Je suis trop contente, je suis choquée. Et j'ai envie de rester choquée de ça. Genre j'ai pas envie de m'habituer à ça, au point que ça me fasse plus rien. Parce qu'il y a plein de choses maintenant auxquelles je suis habituée alors que c'est des trucs de ouf. Et du coup ça me fait plus le même effet qu'avant alors que ça reste des trucs de ouf. Je vais pas vous mentir, maintenant quand je reçois des colis, genre ça me fait plus le même effet qu'avant. Alors qu'avant je recevais un rouge à lèvres, c'était incroyable. Sauf que bah forcément quand t'en reçois tout le temps, ça te fait plus pareil. Et j'ai pas envie que du coup ce genre de moment ça devienne une... Je sais pas, je suis trop lovée ce soir. Il est 5h du matin, on dirait que je suis bourrée.
bourrée alors que pas du tout. Vous savez, quand vous êtes bourrée, vous avez envie de faire des déclarations d'amour à tout le monde, c'est moi actuellement. Sauf que ça boit de l'ice tea ici. Mais surtout que c'était que le jour 1, genre demain c'est pareil. Je suis trop reconnaissante. J'ai envie de prendre tous les gens de Live Nation et de leur faire des bisous. J'ai envie de prendre vous tous et de vous faire des bisous parce que bah genre c'est grâce à vous tout ça. Je suis juste allée à un festival mais genre c'est pas normal de vivre des trucs comme ça. Genre j'ai envie de chouiner. J'ai le chouinage facile, on le sait. J'ai l'alarme qui remonte facilement, on le sait. Vivre ça avec mes meilleurs amis d'enfance, genre... Oui, j'ai envie de chouiner. Il y a un moment que j'ai pas filmé avant qu'on entre dans la voiture, que j'aurais tellement aimé filmer. Vous allez rien comprendre à cette histoire. Je sais pas si je vous la raconte. On est arrivé super tard parce qu'on a eu une galère, en fait. À Paris, je prends... Genre, j'ai pas ma voiture. C'est des voitures que tu loues sur une application. Comme pour les trottinettes, en fait, où tu vois les voitures qui sont dispo dans Paris autour de toi. Et il y avait pas de voiture disponible autour de chez moi. Et du coup, genre, on s'est dit, venez, on se rassemble. On s'est tenu les mains. Et genre, on s'est dit, on rassemble toute notre énergie pour que là, il y ait une voiture qui soit dispo, tu vois, et qui apparaisse, que quelqu'un, du coup, laisse une voiture à côté de chez moi et qu'il y ait une voiture. Parce que là, on est en train de tout rater, il est tard. Et genre, on s'est tenu les mains comme ça, on a concentré notre énergie. Une voiture a été disponible. Et du coup, genre là, quand on est rentré et qu'on était en mode, waouh, tout ce qu'on a vécu, genre, c'est ouf. Genre, je suis persuadée que c'est parce qu'on a rassemblé notre énergie et que voilà, genre, enfin, moi, je suis persuadée que c'est parce qu'on le mérite. Elle le mérite, je le sais, je le mérite. Maintenant je le sais, je mérite tout ça. Rien n'était prévu. J'ai envie de penser que c'est quand t'es au bon endroit, au bon moment, parce que c'est ce que tu mérites de vivre à l'instant T, tu vois. Donc voilà, cette robe se barre, il est 5h, petite nuit je pense qui nous attend, et voilà, on se retrouve demain pour le jour numéro 2. Allez. Non, j'ai vraiment une tête d'œuf là. Jour numéro 2, on a perdu quelqu'un en route, Amélie nous a abandonné. Personne, toujours motivé hein. On est un petit peu en retard. Il est quelle heure ? Il est quasiment 20h. Ah. Mais bon, on arrive tard, mais mieux vaut tard que jamais. Un petit outfit of the day devant la police. Je pense qu'ils veulent savoir mon outfit of the day. Lounge underwear, cargo de chez Urban Outfitters. Ça, je sais plus. Donc je mets dans la description. Lunettes subdued. Ça aussi subdued. Comme hier, Doc Martens. C'est parti. On va voir qui du coup aujourd'hui. Asa Proki. Ah oui, et Taïk. Sympa, bonne ambiance. Au final, hier, je vous ai pas trop montré comment ça s'organisait. Et VIP, c'est des gros flemmards. Ouais. En fait, il faut savoir que quand tu deviens influenceur, t'es une assistée. T'es assistée de la vie. Genre, tu ne peux plus rien faire par toi-même. Vous allez voir. On a des navettes qui nous emmènent sur le festival alors que c'est vraiment genre à 400 mètres. Ouais. Mais on n'a pas le droit d'y aller à pied. Il faut que quelqu'un nous dépose en voiture. C'est abusé. Merci. Bonne journée. Merci, pas de soucis. Bon courage. Il y avait le brunch. Il y avait un brunch normalement organisé par Live Nation ce matin. J'ai prévu le coup en avance, j'ai décliné. C'était à partir de 13h, il est 20h donc j'ai bien fait de décliner l'offre. Vous savez qu'on allait jamais être réveillé. Donc là on est passé par l'entrée et là on va devoir attendre une navette. Faudrait pas qu'on marche non plus 10 mètres, ouais, c'est un peu too much quoi. Merci, merci monsieur. Là c'est l'entrée, la fausse tour Eiffel là. Bonjour, je viens récupérer les accréditations pour les caméras. J'aurais dû tout mettre sur le même. Ça va ? On vient d'arriver direct, on se fait embarquer. Now make some motherfucking noise for ASAP Rocky. Un petit room tour quand même, c'est un peu ta maison. Voilà l'espace VIP, très sympa, très champêtre. Très guinguette. Alors on a du café ici. Là les locatifs, t'as tout mal. Des petits trucs très guinguettes pour faire des petits posts instagrammables. Les golden hour là. Les VIP n'aiment pas se mélanger, édition 75 000. Si tu viens en festival,
festival, mais que tu veux pas voir les concerts. Que tu veux voir les concerts, mais que tu veux pas être devant le concert. Pas être avec la populace. Voilà, tu veux pas te mélanger. Dans l'espace VIP, il y a une télévision pour voir le concert. Je sais pas si on voit. Ça y a une télé. Ce zoom de caméscope de personnes âgées. Oh, un cul. Je dirais pas c'était celui de qui. J'ai quand même l'impression d'y être. Je vais vous montrer comment je vois la vie. Qui dégoûte. C'est du fond de teint, ça va. C'est pas si dégueu que ça quand même. Since I was a child, when I was young and wild. Sympa, j'aime bien. Très seconde main, très vous. Léa, à toi. Des Converse, comme toujours. On connaît la personne. Faire une mise au point. Vous êtes très belle madame. Et du coup Evan c'est vraiment un gros mytho parce qu'il n'y avait pas du tout Rihanna. Sauf que j'ai pas pensé, mais s'il y avait Rihanna, elle aurait été dans les coulisses. Je pense que c'est juste que nous on est très naïfs et on croit tout ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de dire que t'étais un mytho dans mon vlog pour Rihanna et elle vient de confirmer qu'en fait c'était une vraie info. Ouais, Rihanna est vraiment là. Elle arrive là dans le VIP. Elle était dans ouais, le VIP. Dans 5 minutes, là. Elle vient pour le. Parce que là il y a un concert DJ. Moi c'est Cindy qui l'a dit. Ah ouais? Oui. On est arrivé, elle nous a dit. Putain, mais il y a une vraie info alors que Rihanna elle est là. Dans 3 secondes, je vais faire Ricard. C'est pas du tout là. Hein. Je suis pas du tout faire Ricard. Il faut avoir de la confiance. Ouais, c'est ça, tu fais genre que tu sais. Ah oui, c'est lui. Ah, là, il est là. Lequel? En bleu? En bleu. Oseille. C'est Marion, ouais. On va danser pour une fois. Ça y est, c'est fini, on rentre à la maison. Je sais pas trop si on a le droit. On est en plein sur l'hippodrome de Longchamp. On dirait un endroit pour faire un clip de musique. Que malheureusement je suis pas assez connue pour avoir une voiture qui nous dépose devant. Non mais moi en fait je suis influenceuse donc je ne sais pas marcher. Genre là je suis outrée, je dois marcher 10 minutes. Par contre nous on est ridicule hier d'avoir fait le tour alors qu'on pouvait faire ça. Là je suis en train de me rendre compte. Oui, c'était trop étonnant. C'était très bien. Merci. Merci tout le monde, merci la vie. Est-ce qu'on peut dire merci à la vie pour ce qu'on vient de vivre pendant 2 jours? Merci à la vie.